Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Aujourd'hui pour cette session, je suis à la recherche du cendre, donc je suis dans un... je pêche à un endroit où il y a une structure, donc une sorte de petit écluse de barrage, j'essaie un peu de vous montrer tout en me filmant. Donc c'est un endroit où en fait on a un peu plus de profondeur que ce que j'ai l'habitude de pêcher habituellement, et je sais qu'il y a du cendre en abondance en théorie. Donc voilà, donc on va essayer un peu de les débusquer, de les traquer, et puis j'espère vous montrer du poisson. Allez, à la plus. Par contre, voilà, quand ça veut jouer, ça joue bien. Et là, ce qui était bien, c'est qu'en fait, il y a une grosse partie au niveau du chemin de fer qui n'était pas pêchable avant parce que c'était plein de broussailles. Ouais. Et là, ils ont tout coupé pour l'entretien, j'imagine. Et du coup, c'est là que je les ai tous faits parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des leurres. Et dans ce secteur, il y a quand même le passage à niveau, là. C'est pas loin, là. Il y a un passage à niveau, là, dans le coin. Un passage à niveau? Ouais, parce que moi, quand je prends la route, la route de DPF, enfin, pas la route de DPF, la route de vaisseau, là. Ouais. À un moment donné, il y a un tas de passages à niveau, là. Tu vois, et quand tu passes sur le passage à niveau, ouais, souvent de fois, tu as les citernes là, qui sont garées sur la droite. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, mais tout, ouais, alors j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais, tout ça, je le longe en fait à pied. Voilà. C'est ça. Bon, ça fait pas mal marcher, mais franchement, ça vaut le coup. Et les paires dans l'année, les brochets. Les brochets là-bas, on les pêche à vue. Tellement l'eau, elle est claire. J'avais un collègue, moi, qui allait là-bas de temps en temps. Ouais. Il venait ici souvent, là, à Abdel. Oh. Chez poisson. Ouais, poisson. Attends, là. Oh yes, ouais. Petit cendre. Oh yes. J'avais pas fait attention. Bon, vite tour. Ouais, allez. Ah, ils ont rentré l'écluse. Ah ouais, ça va. Elle est vraie pure, c'est ça. Laquelle? Les trois. Oh. Touché. Poisson. Là, t'es combien, quoi? En parlant, hein. Un cendre. Un cendre. Hey. Un beau cendre. Ah, putain. Fait plaisir celui-là. Allô? Oh, ça va? Oui, je m'apprête à faire mon dernier lancer, tu vois. Rien, mais rien de... Et j'ai poncé le barrage, donc...
soit ils sont calés au fond, ils veulent rien savoir, ils sont froids, enfin j'en sais rien. Peut-être ils essaient toujours de trouver des explications. Mais j'ai... Oh, hein? C'est-à-dire? Ah, ils veulent rien savoir. Et du coup, j'ai passé plein de leurres différents, gros, petit, fin, machin, couleur, pas couleur, ramène vite, ramène doucement. J'ai tout tenté. Mais c'est pas grave, écoute, j'étais au bord de l'eau, c'est mieux que d'être derrière le bureau. Personne. J'ai vu des gains. Hein? Bah pourquoi? Mais... Ouais, mais là, tu vois, le vent, il est complètement tombé, par exemple, toi, tu l'entends plus. Et bon, il fait froid, hein, mais c'est bon, en même temps, c'est l'hiver, mais... Bon, par rapport au vent, franchement, ça va, quoi. Oh! Poisson! En direct. Oh, putain, c'est gros. Poisson en direct. Oh là là! C'est un pike! J'espère qu'il va pas me couper. J'espère que c'est un qui va pas me couper. Ah. J'y crois pas. Un pike ici quoi. Oh yes, il est dans l'épuisette. Oh. Ah il est joli, il fait quoi? Il fait ses 60. Yes. Oh putain. Canon. Voilà les gars. 60 cm. Putain, sur le dernier lancé. Il fallait vraiment y croire jusqu'au bout. Et en plus un pike. Alors que très sincèrement, je m'attendais plus à tomber sur un cendre. Et il m'a pas coupé, heureusement. Allez, on va aller remettre ça à l'eau de suite. Allez, mon père. Allez, mon petit père. Voilà, parfait.